Alors, c'est un conte que j'ai inventé à partir de deux contes. Bon, mais c'est... C'est l'histoire d'une petite fille qui est dans la forêt, qui se balade et qui voit soudain une grenouille, un crapaud. Ça, c'est très facilement reconnaissable. Et il est là, il le regarde bizarrement et elle se dit, oh, elle se souvient d'un conte. Un conte où le prince avait été changé en crapaud par la malédiction d'une sorcière. Et quand il avait, si une jeune fille l'embrassait, malgré sa laideur, il redevenait prince et roi. Et elle se dit, mais peut-être que c'est un prince. Je vais l'embrasser. On sait jamais. Peut-être que je deviendrai une vraie princesse. Alors elle prend la grenouille, elle l'embrasse. Vous allez voir ce qui se passe. Et en même temps, un autre. Une personne, un prince, justement, se balade, il est vraiment taciturne, il s'ennuie, et il voit la scène. Il se met derrière un arbre, il regarde. Et tous les médecins du royaume avaient essayé de le guérir de sa taciturnité. Il n'y arrivait pas. Et là, il voit cette jeune fille embrasser cette grenouille, ce crapaud, et il rigole. Et il va la voir, il l'interpelle, et vous allez voir la suite. Thank you.
Thank you.